Amen. Parce qu'en sachant ce qui se passe, on a même de pouvoir dire à l'Église ce qu'il faut faire. Et nous, on a même de pouvoir se préparer. C'est pour cela que mon frère, tu vas lire le verset 28. Il dit, tout ça là, c'est un but. Au verset 28, il a dit ça. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Quand ces choses que vous seuls pouvez voir, parce que vous êtes dans le cerveau, commencent à arriver là, vous devez maintenant vous redresser parce que je suis prêt à me manifester. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour les habitants du ciel. Nous sommes du ciel. Et même nous sommes le ciel. Alléluia. Et le Seigneur veut nous montrer des choses dans le ciel pour qu'on puisse se préparer. Mes frères, ça prend une vie de consécration. Ça prend une vie d'intimité avec le Seigneur. Ça prend une vie de soumission. Parce que tu peux être assis dans le ciel. Et si tu n'es pas connecté au Seigneur, tu ne peux pas avoir ces choses-là. Et si nous sommes assis dans le ciel, que nous sommes constamment connectés au Seigneur, ces signes, on va le voir. Alléluia. Maintenant, en lien avec les événements là, on va aller regarder dans Matthieu chapitre 24, verset 29 et verset 30, qui nous présente ici deux types, en fait, je dois dire, de ciel opposé. Le ciel de l'église religieuse et le ciel de l'église victorieuse ou de l'église fidèle. Amen. C'est-à-dire, en fait, cette branche de l'Église qui est restée fidèle au Seigneur. Et nous allons voir que, tandis qu'il y a l'un qui est en train de subir la désolation, le Seigneur est en train de montrer, en fait, alléluia, de grandes choses dans l'autre. Amen. Donc, on va lire Matthieu 24, verset 29 et verset 30. Faites attention, ce n'est pas le même type de ciel. C'est deux différents. Amen. Il y a des événements différemment qui se passent là-bas. Alléluia. Amen. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Donc, le soleil qui donnait de la lumière, là, on dit va s'obscurcir. La lune qui donne la lumière, là, elle va plus donner sa lumière. Alléluia. On dit que les étoiles vont tomber et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Les événements qui sont ici dits là. Mon frère, est-ce que tu avais lu le verset? Ça, c'est le verset. Tu peux lire aussi le verset 30. Verset 30, l'autre ciel là. Alors, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Donc, les événements qui sont ici énumérés, en fait, sont des événements qui touchent au temps de la fin. Amen. Et comme je disais, au verset 29, les fins mentionnent le premier ciel. Ce ciel-là, c'est le ciel de l'église religieuse. Et quand on parle de l'église religieuse, on fait aussi allusion à cette branche de l'église-là qui a laissé Satan établir son trône. Alléluia. Son trône au milieu d'elle. C'est-à-dire qui a abandonné le Seigneur et qui allait totalement couverte, en fait, de Satan. Amen. On parle aussi du royaume de la bête. Donc, ce ciel religieux-là, il y a des choses qui vont se passer dedans. Parce que souvenons-nous que la séparation-là a commencé à être faite à partir de la fin d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. La séparation a commencé à être faite. Quand le Seigneur vient d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il a fait des reproches à certaines des églises. À partir de la séparation qui est faite. Alléluia. On va pas occuper la position dans les cieux inutilement. Il dit que si une branche ne dépend pas d'elle, dans Jean 15, il dit qu'elle est retranchée. Amen. Donc, pour occuper une position dans le ciel où Christ est assis là, ça prend une intimité, ça prend une dépendance à Christ. Amen. Et puisque l'église religieuse là, puisqu'elle a rejeté l'autorité de Christ, parce qu'elle a rejeté la parole de Christ, amen. Cette parole, cette doctrine qui appelle à la véritable repentance, parce qu'elle a rejeté la lumière de la parole de Christ, cette lumière lui sera cachée. Amen. Et parce que la lumière du Seigneur lui est cachée, elle ne sera plus à même d'émettre la lumière. Alléluia. Elle ne sera plus à même de faire briller la véritable lumière sur le peuple qui la constitue. Amen. Donc, et le royaume des ténèbres et cette église apostate-là va être dans l'obscurité. Amen. Ésaïe 29, verset 10 au verset 12.
Le Seigneur va ébranler le ciel de l'Église apostate et le ciel de la Babylone, le ciel en fait de la bête. Le Seigneur va ébranler ce ciel-là. Alléluia. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. Donc, au fur et à mesure, on va voir que, alors que, on va voir tout à l'heure dans les ciels victorieux, alors que dans les ciels victorieux, le message sera clair, va devenir clair. L'évangile va devenir clair, mes frères. L'évangile va devenir tellement limpide, on va comprendre les choses. Parce que le Seigneur a dit dans Daniel chapitre 12 que vraiment l'intelligence va augmenter. Mais dans les ciels de l'église apostate, de l'église religieuse, les choses vont devenir obscures. Ça va être des faits divers, ça va être des choses pour pouvoir alimenter en fait les cultes. Amen, parce qu'il n'y aura plus de, il y aura plus rien. Vous allez voir, ça va être des fêtes divers, alors qu'il y aura un peuple qui sera concentré, qui va commencer à comprendre ce qui est en train de se passer. Et nous devons commencer à constater ça à la fin de ces temps. L'apôtre Paul dit que beaucoup vont s'attacher à des fables, à des doctrines de démons, et ça va aller de mal en pis. C'est pour cela que les messages que nous écoutons, nous devons faire attention. Nous devons faire vraiment attention à ces messages-là. On va constater ça. La révélation, la parole sera comme des mots des livres cachetés. Les petites doctrines qu'on donne et puis les enfants que, excusez-moi, les enfants que, ados qu'on enseigne ici, développent la même là, ça va être trop grand pour l'église apostate. Parce que le Seigneur va voiler tout. Il va tout voiler. Parce que l'église apostate n'a pas aimé la vérité. Elle n'a pas cherché les intérêts du Seigneur. Mais nous devons continuer à prier pour nos frères. Nous devons continuer non seulement à prier pour nous, mais aussi à prier pour nos frères. Amen. Parce que ce qui va se passer, ça va être ça. Tous ceux qui vont abandonner la vérité, là, tout va être voilé pour eux. Ça va être voilé. C'est pour ça que nous devons aimer la vérité. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne d'aimer la vérité. Le message va devenir clair dans l'église victorieuse. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. C'est vraiment important, les frères, ce qui se passe. Et dans Matthieu, 20, dans Matthieu 24, verset 29, là, on dit que, en fait, tu peux relire ça encore. Matthieu 24, verset 29, là. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Plusieurs étoiles vont commencer à tomber. Dans ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12, là, beaucoup vont commencer à tomber. Amen. Ils vont commencer à tomber. On a vu précédemment que dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 16, on a vu que le Seigneur, il tenait les sept étoiles dans sa main. C'est-à-dire que dans sa main droite, sa droite parle de sa puissance. Donc, il soutient fidèlement les ministères. Il leur donne la nourriture qu'il convient pour l'Église. Amen. Pour donner à l'Église, en fait, de la clarté dans le message. Donc, le Seigneur, il soutient les ministères. Ce n'est pas par leur propre force qu'ils ont cette compréhension. C'est le Seigneur qui leur donne cette compréhension-là. L'apôtre Paul, quand il parle, il dit, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai des mystères de Christ. Il dit, n'a pas été donné. Donc, c'est le Seigneur qui donne cette connaissance-là. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, c'est le Seigneur qui donne. Amen. Donc, il les soutient fidèlement dans sa main droite et il leur donne le message pour nourrir l'Église. Amen. Alléluia. Et tant qu'une étoile va se soumettre entièrement à l'autorité de Christ. Amen. Le Seigneur va continuer à la soutenir. Et elle va continuer à émettre la lumière du Seigneur qui apporte la vie. Mais si cette étoile-là, hein, si elle se détourne de l'autorité de Christ, elle va pouvoir continuer à émettre la lumière. La lumière qu'elle va émettre là, ça ne sera plus la lumière du Seigneur. Si on dit, elle est en train de tomber, ça dit, elle va perdre en fait sa position morale. Elle va perdre la moralité. Elle va continuer à émettre une lumière. Et les gens vont continuer à l'écouter, à l'acclamer. Mais ça ne sera plus la lumière du Seigneur. Ça ne sera plus la lumière de l'Évangile. Alléluia. Cette lumière qu'elle va émettre là, parce qu'elle est en train de tomber là, elle sera comme en fait l'étoile qu'on voit d'après chapitre 8. Parce qu'elle est tombée cette étoile, elle sera
comme l'étoile qu'on voit dans Apocalypse chapitre 8, elle va émettre la lumière, mais ça ne sera pas la lumière du Seigneur. Ça ne va pas venir de la véritable source, parce que la véritable source a obscurci pour elle. Le Seigneur est devenu le sable pour elle. Amen. Donc, elle va émettre la lumière, mais pas la lumière du Seigneur. Alléluia. On fait Apocalypse 8. Il faut me trouver le passage où on parle d'abstinthe là. Je passe ça dans la tête là, étoile là, l'étoile qui est tombée là. Apocalypse 8. Verset 11, à partir du verset 10. Vas-y, mon frère. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Que le Seigneur nous garde, mes frères. Que le Seigneur nous garde. Que nous soyons des étoiles fixées dans le ciel. Absinthe, ça veut dire amertume. Amen. Ça veut dire amertume. Ça veut dire que cette étoile-là, au lieu, en fait, de diffuser un message qui doit apporter la vie, en fait, le message qui est véhiculé, en fait, va plutôt causer la mort. Si on dit, voyons, on dit les tiers des eaux, les créatures des eaux, voyez-vous, c'est un message qui va apporter la mort à ceux qui sont sous l'influence de cette étoile. Amen. Et quand on lit dans Jude 1, verset 13, on parle d'abord d'étoile errante. Amen. Et on sait qu'une étoile errante, en fait, c'est une étoile qui a perdu sa distinction spirituelle. C'est une étoile qui a perdu son caractère moral. Donc, au lieu de mettre la véritable lumière là, on dit tomber. Tomber. Donc, le message qu'ils vont véhiculer, c'est un message de mort. C'est un message de mort. C'est un message, au lieu d'apporter la vie, au lieu de transformer le corps de la personne qui écoute là, ça va conduire à la mort. Frère, prions pour les ministères, que le Seigneur protège les ministères et que le Seigneur envoie des véritables ministères dans l'église. Parce qu'on a besoin des ministères. La Bible dit que tous les ministères qu'il a déployés dans l'église là, c'est pour nous conduire à la statue parfaite de Christ. Donc, on a besoin des véritables ministères, pas les ministères qui sont nommés, mais les ministères qui ont reçu le don du Seigneur. Alléluia. Et qui véhiculent la vie. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer dans le ciel de l'église apostate. Alléluia. Et ça va continuer comme ça. Amen. C'est pas nous qui le voulons, mais c'est le Seigneur qui est en train de nous présenter des choses comme ça. Alléluia. Ce sont les choses qu'on va constater à la fin de ces temps. Des messages qui vont venir de toutes parts. Des doctrines qu'on n'a jamais vues, qui ne sont jamais référencées dans les fondements. Mais beaucoup vont aimer ces doctrines-là. Alléluia. Beaucoup vont se ruer vers ces doctrines-là. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas voulu connaître l'amour de la vérité. Que le Seigneur nous garde. Amen. Et quand nous le disons avec crainte. Amen. Pour que le Seigneur nous-mêmes nous préserve jusqu'à la fin. Et à celui qui peut le faire, on sait qu'il va le faire. Amen. Mais gloire au Seigneur. Gloire, gloire à Jésus. Alléluia, parce qu'au verset 30, on va voir ici le verset 30, on voit un autre ciel. Il y a des choses merveilleuses qui se passent dans ce ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. Apocalypse 24, verset 30. Et Matthieu 24, verset 30. Je vais bientôt finir là. Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Donc au verset 30, on voit un autre ciel. Amen. On dit qu'il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc ici, il est question de la sphère des activités de l'Église victorieuse. Amen. Donc cette Église victorieuse ici, elle est en train d'expérimenter. Alléluia, le signe principal qui va marquer la venue du Seigneur. Alléluia, le Seigneur de gloire qui vient revêtir de la gloire, de l'autorité royale. Donc, elle est en train d'expérimenter ça. Amen. Donc, ça, c'est le ciel où il y a les activités de l'Église victorieuse. C'est le ciel de la communication. Quand nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, là, ce ciel-là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Alléluia. Amen. Donc, ce signe de la venue du Seigneur, là, va paraître dans le ciel de l'Église victorieuse. Au milieu du peuple du Seigneur. Amen. Donc, ça sera d'abord perçu par ceux qui marchent dans la fidélité envers le Seigneur.
Amen. Et la fidélité avec le Seigneur, c'est toujours en lien avec sa doctrine, avec sa parole. Quand la parole du Seigneur fait autorité dans nos vies, quand nous nous soumettons à cette parole, amen, en ce moment, on peut parler de la fidélité du Seigneur. Jésus-Christ qui est ressuscité et glorifié, il est manifeste au milieu de la grande assemblée par la parole et par la parole prophétique. Amen. Donc, c'est un signe qui sera perçu par les habitants du ciel. Non, mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demeurer dans les ciels. On doit demeurer dans les ciels, là où Jésus-Christ s'est assis. Si nous voulons expérimenter ces grands signes, alléluia, on doit tout faire pour demeurer dans les ciels. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Et quel est ce signe-là? Ce signe-là, c'est celui qu'on voit d'après chapitre 12. Amen. Qui nous révèle un corps de personnes qui est en train de parvenir à la maturité. Un corps de personnes qui est en train de parvenir à la maturité. Donc, qui est parvenu à la maturité. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. On fait Apocalypse 12, verset 1. Alléluia. J'ai bientôt fini, on va finir à 30, j'ai bientôt fini à 30 là. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Donc, ces signes-là, c'est ça qu'on voit. Donc, ça nous parle d'un corps de personnes qui est parvenu à maturité, qui ont reçu la semence. Alléluia. Et qui sont parvenus à la maturité. Et parce qu'un corps de personnes est en train de parvenir à la maturité, ça va déclencher ce que le Seigneur est en train de dire au verset 31. Amen. Ça va déclencher. Tout ça, c'est dans le ciel, ça va se passer, dans le ciel des activités de l'Église. Parce qu'un corps de personnes, le signe est en train d'apparaître, ça va déclencher ce qui s'est dit au verset 31. On fait le verset 31. Alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Donc, l'apparition de ces signes-là, dans le ciel-là, ça va entraîner l'activité de la grande moisson. Amen. Et cette moisson, ça va se faire par les anges moissonneurs. Donc, c'est un signe qui est attendu aujourd'hui. Amen. Et qui va déclencher la grande moisson. Donc, quand un corps de croyants va commencer va atteindre la maturité, quand on va commencer à avoir beaucoup de chrétiens qui sont en train d'être matures, là, ça va déclencher la grande moisson. La grande moisson, peut-être on est dedans, ça va déclencher la grande moisson. Alléluia. Je vais expliquer ça assez rapidement pour qu'on comprenne bien ce qu'il est en train de dire. Amen. On va aller dans Matthieu, chapitre 13. Enfin, tu vas lire le verset 30. Ça, cette pensée, ça m'a réveillé avant-hier. Et quand ça m'a réveillé, j'ai commencé à parler ça à mon épouse. Pendant que je dormais, ça m'a réveillé cette pensée-là. Il faut bien comprendre ce qui s'est dit ici. C'est pour ça que toujours pas de la maturité, pas de la maturité, mes frères. C'est pas amusant, la maturité, là. C'est un signe de la grande moisson. Quand on va commencer à voir des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, être tellement matures, dans leur langage même, on va voir qu'ils respirent Christ. C'est le déclenchement de la grande moisson. Et je pense que c'est en train de se passer en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont matures dans le Seigneur. Des enfants qui sont matures dans le Seigneur. Mes frères, c'est un grand signe. C'est un grand signe qui est en train d'apparaître dans le ciel. Le Seigneur est en train d'achever son travail. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il dit, laissez-les croître jusqu'à la moisson. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire en arrière? Laissez-les croître, il dit, laissez-les croître jusqu'à la maturité. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, la moisson est liée à la maturité. Frère, écoutons ce qu'ils sont en train de dire. La moisson est liée à la maturité. Laissez-les croître jusqu'à la maturité. Quand ils seront mûrs, quand ils seront totalement enveloppés de moi, et de l'autre côté, ils seront totalement enveloppés de Satan, on va les voir. Donc, laissez-les croître jusqu'à la maturité. Et la moisson va commencer. Donc, la maturité va déclencher la moisson. Il enverra ses anges. Parce que le signe de la maturité d'un corps de personne est arrivé, il va envoyer ses anges. Alléluia! On peut lire le verset 38 de Matthieu 13. Le champ, c'est le monde.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi. Faisons attention à ces versets-là. Regardez bien. Il dit, le Seigneur dit que la bonne semence, ce sont les fils. Il dit plus les enfants, il dit, ce sont les fils du royaume. Des fils, c'est-à-dire qu'ils ont atteint l'état des fils. Des fils du royaume. Ils ont atteint la maturité. La semence qui était semée a donné naissance à des fils. C'est ce qu'on voit d'après chapitre 12. Elle a donné naissance à un fils. Parce qu'après ça, on dit que ses fils les vont briller maintenant comme le soleil. Donc ils seront préparés vers Dieu pour s'asseoir sur le trône. C'est le même schéma qu'on est en train de voir. La bonne semence a donné un corps. C'est-à-dire eux-mêmes sont devenus la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. La bonne semence a donné un corps, a donné des personnes. C'est le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel pour la grande moisson. Frère, prions pour la pluie de l'arrière-saison, parce que c'est le travail de la pluie de l'arrière-saison. Elle vient pour nous amener à la maturité, pour que la moisson soit abondante, pour que nous puissions aussi conquérir, mais pour que la moisson soit abondante. Le salut est arrivé parce que le dragon était précipité. Quand tout ce qui est mal, quand l'ivraie sera précipitée, ôtée, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu sont arrivés. La puissance de son Christ est arrivée. Sortons de notre corps, sortons de notre vie, ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et le salut va être arrivé. Le salut va arriver. La maturité va arriver. Alléluia. Ce sont les fils du royaume. Ce sont des gens qui sont parvenus à la maturité. Alléluia. Parce qu'il y a eu l'activité de la semence, hein, qui a été semée à travers la proclamation de l'évangile. Et il y aura aussi l'activité de la moisson pour tous ceux et celles qui ont reçu et répondu correctement au message de l'évangile. C'est pour cela que dans les quatre grands discours que le Seigneur a donné, frère, dans les quatre grands discours qu'il a donné, le premier discours qui est le discours, en fait, du style vie du royaume, Matthieu 5, 6, 7, le deuxième discours qui nous parle, en fait, des sept paraboles du royaume, le troisième discours qui nous parle en fait des signes de la fin des temps, Matthieu 24. Et le quatrième discours qui nous parle du Saint-Esprit, Jean 14, 15 et 16. Quand le Seigneur parlait dans ce discours-là, il a tracé le chemin de l'Église. Dans sa sagesse, il a tracé, il a montré ce que l'Église va devenir, par où l'Église va passer. Et 100 années après, l'Apocalypse, il vient en fait m'inspecter pour montrer également ce qu'il avait dit dans ses discours-là. Il veut montrer ça. Alléluia. Il veut montrer ça. Il inspecte. Et il commence maintenant à nettoyer son église. Amen. Mais quand on lit Matthieu 24, verset 14, il est montré que, il dit cette bonne nouvelle du royaume. Donc, dans cette turbulence, il y aura une restauration de l'église. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Alors viendra la fin. Donc, il met l'accent sur une bonne nouvelle. Il va venir en opposition à la mauvaise nouvelle. Venir rétablir toutes choses. Dans la parabole du royaume des cieux, c'est la parabole 5, 6, 7, qui nous parle de cette bonne nouvelle du royaume qui va venir. Alléluia. En opposition aux faux prophètes qui vont s'élever, en opposition aux faux messages qui vont s'élever. Et en ce moment, tous ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle-là, les anges moissonneurs vont commencer à faire leur travail. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit au verset 31. Amen. Et c'est ça qui continue aussi dans Matthieu chapitre 25, où on voit maintenant les vierges qui prennent leurs lampes et qui s'en vont. Donc, ils vont commencer à faire leur travail. Les anges moissonnaient du verset 31 de Matthieu chapitre 24, ce ne sont pas les anges angéliques, mais ça fait référence aux fils et aux filles de Dieu qui sont demeurés fidèles au Seigneur et qui ont l'appel du Seigneur sur leur vie. Amen. Et il est dit que cette activité de ces anges-là va se faire dans le ciel. Et ils vont opérer à travers le travail du son de la trompette. Amen. Ils vont utiliser le son de la trompette pour faire ce travail-là. Alléluia. C'est aussi ça qu'on voit dans Matthieu 13. Mon frère, tu vas lire le verset 41, verset 43. Amen. Donc, ils vont opérer. Donc, l'évangile sera semé. Ils vont venir récolter. Ils vont venir récolter pour ceux qui vont accepter l'évangile. Lorsque cette bonne nouvelle va passer là, dans le ciel de l'église apostate, les gens vont réfugier. Mais ceux qui vont accepter là, dans un mouvement, ils vont commencer à prendre leur lampe et aller à la rencontre de l'époux. C'est ça
le chapitre 25 dit alors le royaume des cieux, parce que alors là, il y a quelque chose qui s'est passé au chapitre 24. Ce qui s'est passé au chapitre 24, c'est lorsque les anges sont venus avec leur trompette. Donc les vierges ont entendu ce message. Elles ont compris l'appel. Parce que les trompettes permettent de rassembler. Elles ont pris leur lampe. Elles ont accepté le message de l'évangile. Elles ont pris leur lampe. Elles ont commencé à partir. Alléluia. Donc Matthieu 13, c'est déjà 32 là. 13, 41 à 43. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Donc ils vont venir faire le travail de séparation. C'est la grande moisson. Il y aura la moisson des fils du royaume. Il y aura aussi la moisson des fils de l'ennemi. Alléluia. Ils vont aussi être moissonnés pour la coupe de la colère du Seigneur. Que le Seigneur nous préserve. Amen. Donc, le grand son de trompette là, qu'ils vont utiliser là, sera pour but de faire appel à la future mariée, c'est-à-dire à ceux et celles qui soupirent à une union parfaite avec le Seigneur, à ceux et celles qui crient jour et nuit pour entrer en union avec le Seigneur. Le son de la trompette, ça fait ici référence au ministère de la parole. Mais ici, c'est plus particulièrement à la parole qui révèle les choses qui touchent à la fin de notre temps, donc qui touchent à notre saison. La saison de la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur va envoyer ses anges. Et ça va être un mouvement qui va être juste aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'on dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité. Donc, beaucoup vont commencer à entendre le message depuis une extrémité. La trompette sera tellement retentissante. Quand on dit retentissante, ça veut dire qu'elle va venir avec une clarté, avec une puissance, une onction. Amen. De sorte que il y aura un mouvement spirituel. Mais ce mouvement spirituel-là, ça ne sera pas un mouvement comme on a eu l'habitude de voir dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire où les gens se réunissent autour des hommes. Non. Parce que la trompette permet de rassembler. C'est-à-dire de rassembler les gens. De les faire sortir, en fait, des petits rassemblements, de les amener. Comme on le voit dans Nombre 10. Mais ce ne sera pas un mouvement autour d'un homme. Mais ça sera autour de Moïse. C'est-à-dire une préfiguration de Christ. Christ lui-même va conduire son peuple. Alléluia. Il va conduire son peuple. Amen. Donc, il va envoyer ses anges avec la trompette retentissante. Donc, ça va être un phénomène qu'on va observer. Les gens vont commencer à chercher le Seigneur, vont commencer à se rassembler. Donc, tous ces mouvements spirituels qu'on voit là, qui a commencé petit à petit, c'est pas un mouvement simple. Les gens ont fait un travail. Et ce sont les écrits qui parlent de ça. Amen. Je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. S'il y a des questions, on va revenir là-dessus. Je suis volé certaines choses. Amen. On va prier le Seigneur. Je veux qu'on prie le Seigneur. Alléluia.